Bonjour, merci Delphine d'avoir essayé de résumer mon existence, puisque c'est le thème de la journée. Moi, je dirais simplement pour me présenter, et je pense que c'est aussi une introduction à notre petite réflexion d'aujourd'hui, que je suis simplement un médecin. Voilà, je suis médecin. Alors, ça peut paraître bizarre quand on a une vie aujourd'hui où je ne soigne pas de malades, où je ne fais pas d'ordonnance, où je ne palpe pas des ventres et où j'ai fait beaucoup d'autres activités. Pourquoi dire que je suis médecin? Parce que je pense que dans une existence humaine, il y a deux choses très différentes. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on est. Les Italiens, d'ailleurs, dans la langue italienne, différencient les deux. Io faccio il professore, je fais le professeur. Mais io sono, par exemple, medico, je suis médecin. Je pense que ce qu'on fait, on peut le varier à l'infini. On peut faire des tas de choses différentes dans une vie. Mais ce qu'on est, c'est ce qu'on a acquis entre peut-être, je ne sais pas, 18, 25 ans. C'est le moment de la formation, peut-être de la déformation, où on a acquis quelque chose qui est de l'ordre de la vision du monde, de la manière dont on va se projeter dans le monde. Alors on peut être formé pour être un journaliste, pour être un juriste, pour être un policier, un magistrat, ou un médecin, voilà, ce sont chaque fois des visions du monde, et cette vision du monde, on la décline de façon différente. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que justement, la médecine est sans doute une des visions du monde, une des manières de regarder le monde la plus féconde. C'est un passeport pour le monde, parce que c'est un métier qui vous fait vous projeter dans l'existence des autres, dans tout ce que les autres sont et que vous n'êtes pas, et que vous devez comprendre. Aujourd'hui, quand on parle de la médecine, on a tendance à penser à la technique, on pense aux hôpitaux, aux scanners, aux machines très compliquées, aux traitements compliqués, ça existe bien sûr. Mais la médecine, c'est pas ça. Moi, j'ai choisi ce métier en référence à un grand-père, mon grand-père, qui m'avait élevé une partie de mon enfance, qui était un vieux médecin. C'était un médecin, je dirais même pas du 20e siècle, du 19e. Et les médecins du 19e, ils n'étaient pas très différents des médecins de Molière ou même de Rabelais. C'est-à-dire que c'était des gens qui, au fond, n'avaient pas beaucoup de moyens d'agir. Ils n'avaient pas beaucoup de techniques, ils n'avaient pas beaucoup d'examens complémentaires, ils n'avaient pas la radiologie, ils n'avaient pas les antibiotiques, ils n'avaient pas tout ça. Et pourtant, ils étaient médecins. Et qu'est-ce que ça voulait dire, alors, d'être médecin sans pouvoir guérir? Eh bien, c'est une façon de regarder les autres et de regarder la vie des autres et d'essayer de la comprendre d'une façon qui ne soit pas une manière magique. Vous savez, pendant longtemps, la maladie, c'était la malédiction. Quelqu'un qui se tordait de douleur, il était maudit, il était possédé. Et puis, il y a des médecins grecs qui ont pensé que non, c'était pas ça. C'était le fonctionnement normal du corps était compréhensible et que son fonctionnement anormal, pathologique, pouvait être compris aussi. Même s'il n'était pas encore capable de le comprendre, il y avait cette idée. Vous savez, quand il parlait du diabète, qu'est-ce que c'était le diabète? C'était quelqu'un qui buvait beaucoup et qui pissait beaucoup, qui mangeait beaucoup et qui maigrissait. Tout passait à travers lui, diabète, c'est-à-dire, on ne savait pas ce que c'était. On n'avait pas encore, évidemment, la notion du pancréas, de l'insuline et tout ça. Mais il y avait cette idée que ça n'était pas une possession, que c'était quelque chose qu'on pouvait regarder et comprendre. Et ça, mon grand-père était vraiment tout à fait caractéristique de ça. C'est-à-dire, c'était un homme pour lequel la médecine était un art plus qu'une science. Et c'était un engagement et c'était aussi une discipline littéraire. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient, à cette époque-là, appris le grec, le latin. D'ailleurs, Rabelais, il était devenu médecin comme ça parce qu'il était un très bon lettré et que, pouvant lire Vésale, Galien, etc., il devenait médecin. Voilà. Alors ça, c'était ce que je pensais trouver, moi, en faisant la médecine. Je pensais trouver l'engagement. Mon grand-père, il avait fait deux guerres assez dures. La première, en coupant des bras et des jambes au front, et la deuxième, dans un camp de concentration, parce qu'il faisait partie d'un réseau de résistance. Donc, il y avait cette dimension d'engagement, il y avait cette dimension littéraire, il y avait cette dimension humaine. Bon,
C'est vrai que quand je suis arrivé, moi, dans ce métier, les choses avaient un peu changé. On était devenu, il y avait une médecine scientifique. Bon, moi, je suis content, quand je suis malade, je préfère voir un scientifique qu'un poète, à vrai dire. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Voilà. Et donc, je suis allé chercher ailleurs. Et vous savez, c'est souvent le hasard qui vous emmène comme ça. Moi, c'est... le service militaire, quand ça existait, était souvent un moment comme ça de croisement bizarre. On disait que Joseph Kessel, quand il s'était engagé, comme ça, il avait marqué sa profession, il avait mis journaliste. Et l'adjudant qui l'a reçu a lu journalier, ce qui fait qu'il a cassé des cailloux pendant 6 mois avant qu'il comprenne que c'était... Voilà. Bref, moi, ce n'était pas tout à fait aussi grave, mais j'étais neurologue et on m'a mis dans une maternité. J'ai fait mon service militaire dans une maternité, que je connaissais comme ça. Je fais des accouchements, moi, pendant tout mon service militaire en Tunisie. Et au fond, ça a été une occasion, puisqu'on parle d'existence, de faire pivoter la manière de voir, au fond, le monde, là encore. Parce que moi, j'étais un petit étudiant en médecine qui avait bien travaillé, qui pensait que la maladie était différente et qu'il fallait... Mon métier, c'était de les différencier, ces maladies, vu que finalement, l'être humain, c'était le même partout. Et puis, en Tunisie, je me suis rendu compte que c'était un peu le contraire. C'est qu'au fond, la maladie est la même partout. En gros, évidemment, il y a des variations. Mais... Et que ce qui change, c'est l'être humain que vous avez devant vous. C'est sa culture, c'est sa psychologie, c'est sa vie, c'est toute sa richesse en tant qu'être humain, en tant que personne que vous avez devant vous. C'est ça qui est finalement... qu'il y a derrière la maladie. Et c'est ça qui s'est mis à me passionner. Et alors, je trouve que j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer ce mouvement de Médecins sans frontières qui commençait à apparaître. Quand je suis revenu de Tunisie, c'était le tout début. C'était le tout début de ces ONG. Vous savez que la France a été... on aime bien dire qu'on est le pays des droits de l'homme, c'est vrai. Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que juste après ces philosophes du XVIIIe siècle, il y a eu les révolutions, il y a eu la guerre en France. Et que finalement, notre pays a été plutôt receveur de l'aide humanitaire, de l'aide internationale. C'est nous qui avions finalement les guerres chez nous, c'est nous qui avions les désastres. Donc, l'outil humanitaire, il s'est développé aux États-Unis, il s'est développé en Suisse, il s'est développé en Scandinavie, mais au fond, chez nous, il a été assez en retard. Et c'est dans les années 70, fin des années 70, quand la France était suffisamment prospère, les Trente Glorieuses, hein, quand on avait terminé ces guerres coloniales, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, etc., qu'on a été en mesure finalement de se tourner vers les autres et d'inventer un nouvel outil. Ce nouvel outil, c'était ces ONG, Médecins sans frontières en tête, qui est apparu en 1971, à l'occasion de la guerre du Biafra, et que j'ai rejoint un peu plus tard. Et là, ça a été pour moi une sorte de choc parce que bon, moi, j'étais interne des hôpitaux de Paris, j'avais passé l'internat, j'ai été formé à faire une médecine très technique et tout d'un coup, je me suis retrouvé propulsé avec les autres, avec mes camarades, mes compagnons dans ces combats, si vous voulez. On s'est retrouvé en Afghanistan, on s'est retrouvé au Nicaragua, on s'est retrouvé en Angola, au Mozambique, au Sri Lanka, au Salvador, enfin, dans le monde entier. Et c'est là que nous avons compris que finalement la médecine était ce passeport pour le monde dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait là quelque chose d'absolument extraordinaire qui était cette possibilité que nous avions individuellement, parce que nous n'agissions pas pour un État, nous n'agissions pas officiellement, mais justement nous agissions à titre privé, et dans un monde qui était bloqué par la guerre froide, avec, vous savez, ces risques nucléaires de partout, bien, nous pouvions entrer, nous pouvions pénétrer sans frontières jusqu'aux autres. Et donc l'existence des autres, qu'on avait l'habitude de scruter dans nos cabinets de médecins, ou dans nos consultations, ou dans nos hôpitaux, eh bien là, cette existence, c'était l'existence du monde qui était devant nous, c'est-à-dire c'était une existence qui était démultipliée par ces terrains et différents, ces guerres que nous ne connaissions pas, ces pays, ces cultures différentes. Voilà. Alors moi, je me suis passionné pour ça et j'ai complété ma formation pour essayer de comprendre un peu quelque chose. Donc je suis allé m'inscrire à Sciences Po, à Paris,
en demandant une sorte d'équivalence, si vous voulez. Alors, ils aiment bien toujours prendre un pompier, un séminariste, enfin bref, voilà. Donc, moi, ils m'ont pris dans le lot, quoi. Et bon, j'ai fait ces études pour essayer de voir un peu où on mettait les pieds, de comprendre ces cultures, de comprendre tout ça. Avec une idée, quand même, qui était celle que j'ai mentionnée au début, c'est-à-dire qu'il y avait dans la médecine, pour moi, cette dimension de littérature, cette dimension de partage. Il ne suffit pas de vivre les choses, encore faut-il les partager. Il faut être capable de les exprimer, il faut être capable de les faire comprendre aux autres, de les faire percevoir aux autres. Voilà. Et j'avais certainement cette envie, et c'est pour ça que, après avoir fait ces études complémentaires, je me suis risqué à essayer d'écrire un petit peu, mais d'écrire des choses techniques, des choses qui étaient au plus près de mon expérience. Bon. Et j'ai écrit des essais sur l'action humanitaire et les relations internationales, des choses comme ça. Et puis moi-même, après, je me suis mis à faire des conférences à Sciences Po. J'avais un séminaire là-bas. Alors, les étudiants, vous savez, comme ils sont gentils, les étudiants avec leurs profs, ils veulent faire plaisir. Alors, ils prennent le bouquin du prof, en l'occurrence le mien, ils le désossent complètement, ils font un exposé dessus. Voilà. Et vous êtes désespérés parce que vous dites, mais... Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas, au fond, ce squelette-là qui me raconte. Au fond, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux transmettre. Ce que je voudrais transmettre, c'est des portraits, c'est des paysages, c'est des émotions. C'est des choses senties. Et dans des essais un peu techniques, un peu secs, ça ne passe pas. Au fond, il n'y a que la littérature qui permet ça. Que la littérature qui permet... Alors, sauf si on est peintre ou si on a d'autres formes d'art à sa disposition. Mais moi, j'en avais pas. Ma forme d'art, c'est l'écrit. Donc, la littérature. Mais la littérature, c'est un morceau insurmontable. Pour un médecin, c'est difficile parce que pendant que les autres qui faisaient des études littéraires lisaient La recherche du temps perdu, vous appreniez les collatérales de l'artère à mésentérique supérieure, etc. Donc, on a des lacunes énormes. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le serment d'Hippocrate. Vous savez qu'à la fin de vos études, quand vous avez terminé vos études, avant de devenir docteur, donc avant de passer votre thèse, vous prêtez ce serment. Alors, c'est rien du tout. Il fait beau, c'est l'après-midi, on vous met un texte sur le mur, vous signez ça, on vous met une toche sur le dos, vous signez le truc, vous prêtez le serment, bon, ben voilà. Puis après, ce serment revient en vous. C'est très étonnant. Et qu'est-ce qu'il dit, ce serment? Il vous dit, vous pourrez... dans votre pratique, tout voir, tout savoir. Vous entrerez partout. Les patients vous montreront tout, leur maison, leur cœur, leur corps, leur maladie, leur souffrance, tout, à une condition, c'est que vous ne raconterez jamais ce que vous avez vu. Alors, imaginez-vous quand vous allez vous disposer à écrire des romans. Ben forcément, vous allez puiser dans vos souvenirs, vous allez évoquer des gens que vous avez croisés, que vous avez rencontrés. Et donc, vous êtes tétanisé par cette idée de violer le serment d'Hippocrate et d'éventuellement pouvoir blesser quelqu'un et d'une certaine manière vous parjurer. Alors, il faut faire un détour. Et moi, ce détour, je l'ai fait par le temps, c'est-à-dire par le roman historique. Le premier roman que j'ai écrit, il se passait au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, mais il retrace une histoire vraie, qui est l'histoire du premier ambassadeur qui a été envoyé par Louis XIV en Éthiopie. Et il se trouve que ce chemin, moi, je l'avais fait depuis les déserts de Khartoum et du Soudan, quand on arrive au pied de ces montagnes éthiopiennes, de ces hauts plateaux éthiopiens, et qu'on monte là-haut. Et à l'époque, c'était pour rencontrer le Négus. Donc, d'une certaine manière, il y avait une vibration entre ce que j'avais vécu, je pouvais mettre ma vie dedans, et en même temps, la distance du temps qui me permettait de ne pas compromettre quiconque. Donc, j'ai commencé comme ça, un petit livre, puis je les ai envoyés par la poste, puis on en a refusé un, puis on en a refusé deux, puis à l'usure, vous savez comment ça se passe, au bout d'un moment, ils finissent par craquer. Alors, voilà, et finalement, j'ai eu la chance aussi d'avoir des prix, et on a mentionné tout à l'heure le prix Goncourt. C'est souvent critiqué, les prix en France. On dit, oui, c'est des jurés, c'est tout ça, c'est magouillé, etc. Ben, moi, je n'avais pas vraiment de comptage, je n'avais pas vraiment de soutien. Et pourtant, je dois reconnaître que c'est grâce à ces prix que ma vie a changé et que j'ai pu faire ce métier. Et depuis 25 ans, c'est vrai que j'explore, à travers l'écrit, à travers le roman, ce qui me passionne, c'est-à-dire la rencontre des autres, les autres existences, qu'elles soient... d'autres cultures, par exemple dans Rouge Brésil, c'était la rencontre entre les Européens et
ce Brésil des Indiens de la baie de Rio qui réservait effectivement des surprises énormes et qui sont à l'origine finalement du concept du bon sauvage. Ça peut être l'existence dans une seule personne de cultures différentes qui tendent un personnage et qui le font en quelque sorte basculer, balancer entre deux cultures. C'est ça qui me passionne, moi, c'est ça que je raconte dans mes romans. Voilà. Et simplement, pour continuer d'écrire, il faut continuer à vivre. Parce que si vous voulez mettre de la vie dans vos écrits, si vous voulez que vos écrits soient non pas morts, mais vivants, parce qu'il faut qu'ils viennent de vous, quoi. Et c'est un piège, ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à pouvoir vivre de ma plume, si vous voulez, c'était vraiment un piège. C'est-à-dire l'idée de se mettre dans sa tour d'ivoire, d'écrire, etc. Puis au bout d'un moment, on n'a plus rien à dire. C'est pour ça que à chaque fois qu'on m'a proposé des choses qui étaient parfois dangereuses ou difficiles, je les ai acceptées. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé notamment ambassadeur de France au Sénégal, qui m'a été proposé dans des conditions, vous savez, c'est un très gros poste, très difficile, mais et c'était pour moi une sorte de défi, d'abord de savoir si j'en étais capable, et puis de savoir que grâce à ça, j'allais pouvoir faire entrer de nouveaux thèmes, de nouvelles images, de nouveaux personnages dans ma création romanesque. Voilà. Alors je voudrais conclure par trois petits mots. Trois petits mots simples par rapport à tout ça. L'humanitaire, je l'ai évoqué, il a été très à la mode, il l'est moins. Il y a beaucoup d'argent dans l'humanitaire, il y a beaucoup de moyens internationaux, etc. Un espace humanitaire qui se réduit, parce qu'il est de plus en plus dangereux d'aller dans les pays en conflit. Mais surtout, il y a la montée de nouvelles préoccupations, notamment l'écologie, etc., qui aujourd'hui sont plus visibles. J'aimerais que les deux se combinent et j'aimerais que l'écologie ne se transforme pas un jour en une écologie anti-humaine, si vous voulez. C'est vrai que l'humanité est responsable de beaucoup de dommages à la planète, mais elle n'est pas pour autant coupable. Et il faut essayer de restaurer une sorte d'équilibre entre notre sollicitude pour la planète et celle que nous devons conserver pour l'humanité. La deuxième chose, c'est l'écriture. Je pense qu'il faut savoir que ça n'est pas réservé à une caste, notamment le roman. C'est quelque chose que chacun peut s'essayer, en tout cas, mais à condition d'y mettre de la vie. Et l'écriture, c'est vraiment, comme Georges Samprin l'avait écrit un jour, l'écriture, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que c'est la vie comme production, mais c'est la vie aussi comme source. Et dernier mot, par rapport à ces TEDx notamment, je voudrais dire à ceux qui choisissent leur vocation aujourd'hui, leur voie, ce que j'ai voulu essayer de montrer avec ce cas personnel un peu particulier, comme le sont tous les cas personnels, c'est qu'au fond, quand on choisit sa voie à 18 ans, on est souvent tétanisé en se disant « je vais choisir quelque chose qui va m'engager pour la vie ». C'est vrai. C'est vrai que vous serez ce que vous allez choisir. Mais en même temps, vous pourrez faire tellement de choses à partir de là que finalement, cette liberté reste très grande et que vous avez la vie devant vous. Merci.